Yo tout le monde, c'est Elite, j'espère que vous allez bien les potos, car pour ma part ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui on va custom la première voiture des 3 qui ont été prévues par Rockstar. Et aujourd'hui, en ce 5 avril, en cette belle journée pluvieuse pour ma part, putain de merde, du 5 avril, je vais vous custom la 2 classe Tornado, donc qui est considérée comme une sportive classique, même si à première vue, bon, ça n'a pas trop l'air. Mais on va surtout s'attaquer à l'aspect extérieur et tout ce qui est propre au Beniz aujourd'hui surtout. Donc on va faire la customisation à 375 000 $. Et voilà. Donc on voit déjà les petites suspectes qui ont bien travaillé. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va améliorer à 100% les freins. Donc vous voyez, ça c'est classique, hein. Je vous passe les détails. Voilà, pare-choc avant. Bon, je vais prendre celui-là avec les grosses barres. Pour changer les gars, il n'y en a pas beaucoup. On va prendre le Tornado. Le châssis, donc là vous voyez il y a beaucoup de trucs propres au châssis sur cette voiture. Donc il y a des ailes, des antennes, des finitions et des réservoirs bien spéciaux. Donc concernant les ailes, moi je vais prendre ça avec le petit chromé. Là j'ai envie de mettre un peu de chromé sur cette voiture, vous voyez, de le faire ressortir un peu. À part sur les ailes arrière je pense. Non ça c'est trop, ça c'est trop petit, on va mettre ça. Les finitions, vous voyez c'est ça que je vous disais. Donc il y en a des roses, des jaunes, des rouges, des bleus. Des vagues bleues, donc là oui c'est un peu hippie. Les belles courbes, donc ça c'est un peu trop abstrait je trouve, mais il y a... Ah non, c'est des meufs les gars, si vous voyez bien, si vous zoomez un peu sur la vidéo, vous voyez qu'il y a des genre des meufs en bikini et tout. Ah, ok, hommes d'action et oiseaux, donc moi je vais prendre les hommes d'action, ça me fait un peu penser au regard de Nico Bellic d'ailleurs. Le réservoir il est en dessous, on va le mettre en chromé. Le moteur, donc le bloc moteur, comme d'hab, on va partir sur un truc... On va partir sur ça les poteaux. Les filtres à air, très important les filtres à air, sinon on est dans la merde, on va prendre un double filtre à air. Réglage du moteur, évidemment moteur 4. Donc là en l'occurrence il coûte pas trop cher, hein. Il coûte 5025 $ il me semble, là, si je me suis pas trompé. Les échappements, donc vous voyez il y a soit ceux de série, donc les classiques. Il y a les triples échappements, il y en a un gros latéral, un long et il y a les doubles et les quadruples, comme vous pouvez le voir là. Donc moi je vais partir sur un triple échappement que je trouve plus joli. Pas de bombe, ça sert à rien. Donc les ailes, est-ce qu'on met des ornements? Je trouve, j'y trouve pas grand intérêt. Pour ma part, capot classique. On va mettre juste un... Ouais, je sais pas. Ouais, mettre le panneau sous le capot pour dire qu'on l'a fait. Une pompe hydraulique, alors là, très important. Et ça coûte jusqu'à 217 500 $, les potos. Donc moi, déjà, je vous le dis, je mets pas ça, je mets pas ça. Et je ne mets pas ça parce que c'est un coffre plein. Donc on peut pas mettre grand chose dedans, même si en réalité ça sert à rien dans GTA. Mais voilà, c'est une question d'ergonomie. Le mec il fait trop turbo, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre un... On va mettre des bandes de cuir ou... Ouais, des bandes de cuir. On va mettre des bandes de cuir, des poteaux. Couleur des finitions. Je vais mettre un anthracite et vous allez voir pourquoi. Parce que ça va... En fait, la finition... intérieur en fait va être répercuté sur la couleur du toit. Et après vous allez être emmerdé si vous choisissez une couleur qui n'est pas adéquate. Donc là couleur des détails paraître on va mettre en anthracite. Voilà, comme ça au moins on est sûr de pas faire de conneries. Décoration, on va mettre un petit sportif. Voilà qui ressort plutôt bien je trouve. On va mettre des motifs de comment là. Bah écoutez, on va remettre les hommes d'action parce que je trouve que c'est plutôt stylé. Concernant les cadrans, on va mettre du rock'n'roll. C'est ce que j'avais fait pour une autre bagnole il me semble, que je n'avais pas fait en vidéo. Là en fait je vous explique, donc le rétro, en l'occurrence les années 50 c'est pas... Donc ça il y a le rétro avec du chrome et la couleur de base. Soit il y a l'année 50 avec les deux couleurs de la bagnole. Donc moi je vais prendre celui là Le levier de vitesse, on va partir sur un truc que j'ai pas fait. En l'occurrence ça il me semble que je l'ai pas pris en vidéo. Donc le roi lire qui est plutôt stylé. Attention à pas se piquer les mains évidemment. Pour la plaque arrière, je n'ai pas pris la Vagos, donc on va la prendre. Je ne l'ai jamais prise encore. L'éclairage, on va mettre un petit... un jaune racing, ouais, qui ressort plutôt bien. Même si c'est pas très relatif. L'éclairage, évidemment, les phares aux xénon. Support néon. Avant, côté arrière, voilà. Le gros classique, les poteaux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si cette customisation vous plaît et quel choix vous auriez fait. Donc, couleur des néons, je pense que je vais mettre la voiture en noir et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais mettre quelque chose qui s'en rapproche. Je vais mettre un bleu qui fait plutôt sombre, qui tapera bien dans la nuit. Motif, voilà, là on y vient. Donc il y a des motifs, vous voyez, vraiment tout petit là sur le capot, comme vous pouvez voir. Il y a des comme ça, il y a ça, qui est plutôt stylé, je trouve. Voilà, ça j'aime pas trop. Celui-là, il est stylé. Donc si on le marie bien avec une belle couleur, franchement, ça peut faire stylé.
Et à condition qu'on enlève le motif à l'arrière home d'action, parce que c'est pas, ça se colle pas trop. Celui-là, ça passe. Celui-là, j'aime pas trop. Ça fait trop fin, ça fait trop discret. Voilà, bon pour les copains, pour les copains. Waouh, pour les coquins, évidemment, il y a les belles courbes qu'on a pu retrouver aussi pour l'arrière tout à l'heure. Et il y a l'ange déchu avec les flammes. Et ça, ça claque de ouf. Donc moi, je le prends. Ça se marie bien avec le regard de la personne à l'arrière. La plaque, de toute façon, on la voit pas. Ça sert à rien. Peinture. On va passer à la couleur métallisée. Donc voilà, comme je vous disais, ça claque de ouf avec le noir. Donc là, c'est peut-être un peu trop foncé. Je trouvais que là aussi, le graphite, pour moi, c'était pas trop. Mais vous voyez, là, il y a des reflets blancs. Si on met de l'anthracite, vous voyez, on voit bien les flammes. Donc moi, je vais rester sur ça. On va pas mettre de nacré parce que j'y trouve pas de grande utilité, étant donné que les flammes font leur boulot. Et la couleur des détails, donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc on en a pas besoin parce qu'on l'a déjà mise. Couleur définition, c'est pareil, on l'a déjà choisi. Le toit, voilà. Et là, maintenant que le toit est anthracite, les gars, ça peut le faire. Parce que si vous mettez une couleur du genre rose, vert, bleu, ça fait un peu Jackie Tuning, encore une fois, je me répète. Mais voilà, de mettre des motifs comme ça. Alors que là, en l'occurrence, ça peut passer. Donc on peut mettre un toit camouflage numérique, voilà. On peut se dire ça fait geek, mais franchement ça passe bien. Pour ceux qui le veulent, donc un abonné qui m'a invité, je t'accepterai après poteau. Transmission de course, coffre. Donc le coffre, moi je vais mettre des haut-parleurs ronds, voilà, parce que j'aime bien, il y a le petit rouge qui ressort. Le turbo avait 2 500 $, les types de roues, donc on va aller dans du lowrider. Et j'en avais repéré une, attendez, je vais vous dire c'est laquelle, je vais retrouver le nom. C'est les flares, voilà en fait. C'est les flares qui m'est bien tapé à l'œil. La couleur des jantes, on va rester sur de l'anthracite aussi, du coup. Et concernant l'amélioration des pneus, on va rester sur des pneus de série. Évidemment, être à l'épreuve des balles. Et il me semble qu'on a mis, je vais mettre une fumée de pneus. Peut-être pas un noir, je vais mettre de la bleue, étant donné que j'ai mis les néons en bleu. Voilà. La logique de Monsieur Jules Elite. Hein. Enfin, Monsieur Jules, ancien nom de ma chaîne. Et je crois qu'on a tout fait les potos, on va aller tester ça dehors pour voir ce que ça donne. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal, elle a l'air plutôt stylée. Ah ouais, regardez déjà, voilà. Rien que ça, je vous fais déjà un petit tour du propriétaire. Elle claque de ouf les gars, si avec ça vous n'avez pas tout simplement la grande classe de Los Santos, je ne comprends plus rien les potos. On va juste la tester un peu, voilà, sur cette ligne droite. Bon, en tout cas les freins ça m'a pas l'air top là pour l'instant. Mais voilà. Ah, ce petit moment de déch où il y a la batterie qui est déchargée de la manette. Ouais, donc si on trace une petite ligne droite, ouais, bon, elle n'est pas surpuissante. Hein. J'irais même qu'elle n'est pas très très rapide, les potos. Mais bon, voilà, cette voiture, on la prend surtout pour le côté esthétique. On sait quoi pas faire des courses avec. Mais voilà, dans tous les cas, elle est très stylée. J'espère qu'elle t'a plu. Ah, dis-moi, à tout prix en commentaire. Par contre, si cette customisation te plaît, si tu veux que je customise les deux autres prochaines voitures qui vont arriver, lâche ton pouce bleu, partage la vidéo, c'est très très important, ça m'aide à référencer, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Moi je te dis à très bientôt, ciao ciao, ciao.